Alléluia. Bienvenue au Centre Réveil. Nous sommes dans la joie de vous recevoir. Et nous allons commencer par un mot de prière. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ce bon matin que nous donne, Seigneur. Laisse que ta présence, Seigneur, surabonde en ce lieu. Bénis chacun de nous, bénis ceux qui nous suivent par le biais d'Internet. Laisse que la gloire éclate dans ce lieu au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. On y va. Ça dans les mains, on y va. Comment? Es-tu dans la joie ce matin? Es-tu dans la joie ce matin? Vous n'êtes pas dans la joie ce matin? Un grand cri glorieux pour le roi des rois. Si tu es dans la joie ce matin. Tu m'as sauvé et mis à part. Descendre, je suis né de nouveau. À l'abri dans les mains du Sauveur. Pour toi, les mots ne suffisent pas. Pour toujours, Seigneur, je te suivrai. Les yeux sur toi, je suivrai tes voies. Par ta grâce infinie, je suis libre. Car en toi, chantons. Car en toi, en toi, en toi, je suis libre. Nous élevons ton nom, élevons ton nom. Et ton amour est sans fin. Oh, 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 hey. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre désir. Ton amour nous rend libre. Oh, oh, oh. Ce matin, au milieu de la plus sombre nuit, chantons ensemble. Au milieu de la plus sombre nuit, ton amour brille comme la lumière. Ton amour brille comme la lumière. Et brise les chaînes du péché. Brise les chaînes. Parce que Jésus est venu me libérer ce matin. Jésus est venu me libérer. Les choses de ce monde passeront. Les choses de ce monde passeront. Je sais qu'un jour je verrai ta face, alors que ta volonté se fasse. Je persévère, car ton royaume vient. Car en toi, en toi, en toi, je suis libre. Nous élevons ton nom, élevons ton nom et ton. Tu m'as sauvé et mis à part. Des cendres, je suis né de nouveau. À l'abri dans les mains du Sauveur. Pour toi, les mots ne suffisent pas. Toujours. Pour toujours, Seigneur, je te suivrai. Les yeux sur toi. Les yeux sur toi, je suivrai tes voies. Par ta grâce infinie, je suis libre. Par ta grâce infinie, je suis libre. Car en toi, alléluia. Car en toi, en toi. Je suis libre, nous élevons ton nom, élevons ton nom et ton amour est sans fin. Oh, 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 tu vis toujours en nous, tu es irremplaçable, tu es notre seul désir, ton amour nous rend libre. Oh, oh, oh.
chantant. Au milieu de la plus sombre nuit, ton amour brille comme la lumière. Ton amour brille comme la lumière. Et brise les chaînes du péché. Et brise les chaînes du péché. Jésus est venu me libérer Jésus ce matin. Jésus est venu me libérer. Les choses de ce monde passeront. Je sais qu'un jour je verrai ta face. Alors que ta volonté alors se fasse. Alors que ta volonté se fasse. Je persévère qu'à ton royaume vient. Car en toi, en toi, en toi, je suis libre. Nous élevons ton nom, élevons ton nom. Et ton amour est sans fin. Oh, 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 hey. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre seul désir. Ton amour nous rend libre. Tu vis toujours. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre seul désir. Ton amour nous rend libre. Tu vis toujours chantant. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre seul désir. Tu es notre seul désir. Ton amour nous rend libre. Tu vis toujours. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre seul désir. Tu es notre seul désir. Ton amour nous rend libre. Encore une fois, tu vis. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre seul désir. Tu es notre seul désir. Ton amour nous rend libre. Glorieux ce matin. Ça dans les mains, comment? Jésus est Seigneur, on y va. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur, il est Seigneur, Jésus est Seigneur.
conscience. Jesus Christ is Lord. 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 He is Lord. Jesus Christ he is Lord. Lord. Alléluia, il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia, il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia.
regarde et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles, Dieu va faire encore. Comment? Comment, Joseph? Comment? Faire encore ce matin? Crois-tu qu'il va faire des miracles ce matin? Crois-tu qu'il va te guérir ce matin? Crois-tu qu'il veut te parler ce matin? Crois-tu qu'il va te changer? Attends, allez, on y va. Comment? Ok, maintenant comme ça. 1, 2, 3. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles, Dieu va faire encore. Comment? 2, 3, 1, 1, comment? Hey. Des cris de joie dans la maison du Seigneur. Alléluia, il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. J'ai envie de louer ce matin, je ne suis pas pour toi, mais j'ai envie de louer. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles, Dieu va faire encore. Je dis, alléluia.
ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Notre Dieu est prêt à combattre pour nous. Alléluia. Merci pour les grandes choses que tu fais dans nos vies, Seigneur. Tu es le Dieu d'éternité. Tu parais bien, mais au fond de ton cœur, tu cries et tu pleures. Remets tes combats au Seigneur, il combattra pour toi. Et si tu le crois de tout ton cœur, est-ce que tu le crois de tout ton cœur qu'il peut combattre pour toi?
son royaume vient, chante ensemble. Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, relevant son royaume, ébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous le proclamons et crions. Alléluia. Et crions. Dieu combattra. Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres. Ce matin et le remercier pour les grandes choses qu'il fait, pour la victoire que tu as dans ta vie maintenant. Alléluia. Thank you.
is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, how great is our God. Hallelujah! Son est tout puissant. Son nom est tout puissant. Pour le nom de Jésus. Amène à être libre, libre de vous exprimer, libre de danser, libre de chanter, parce que je suis vivant, dit le Seigneur, et je suis au milieu de vous, et j'agis au milieu de vous, je suis le Tout-Puissant. Sachez, je suis vivant au milieu de vous. Recevez, recevez ma bénédiction.
Recevez votre guérison. Recevez votre délivrance, dit le Seigneur. Je suis vivant au siècle des siècles. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Dis à ton voisin, ta voisine, reçois. Reçois. La bénédiction de Dieu. Ce matin, je veux continuer sur aimant en action, mais je veux vous faire comprendre que pour produire plus de fruits, tu dois être loin dans ce que Dieu t'appelle. Si Dieu t'appelle à faire des tartes, mais tu dois être loin là-dedans. Amen. Moi, quand ma femme n'est pas là, je me fais des hot dogs. Et je trouve que ma cuisine, comme cuisinier, c'est l'onction que j'ai présentement pour faire des hot dogs. Mais ils sont bons, mes hot dogs. Vous êtes invités quand je fais des hot dogs. Ceux qui veulent ma recette, vous viendrez me voir. Je mets un petit peu de beurre dans le fond de la poêle, puis je mets ma saucisse gelée dedans. Puis là, je la tourne tranquillement jusqu'à temps qu'elle dégèle. Et quand qu'elle dégèle... Excusez. Seigneur. Seigneur, je te demande ce matin de mettre une garde dans ma bouche. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Viens écrire sur tous les cœurs et les vies, Seigneur, ce que tu veux écrire. Amen, amen. 1 Jean 3:18 nous dit, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » La semaine passée, on a vu qu'il y en a qui ont aimé en action. Amen. Puis c'est ça, aimer. Mais on a vu aussi ce que Jésus aimait le plus, c'est son Église. C'est pour ça, il y a des gens qui viennent me voir, « Oh, pasteur, je vais faire une levée pour une vente de chocolat, pour mon ouvrage. » Mais écoute, on ne peut pas faire tout. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen, amen. Mais on a vu comment la maison de Dieu est importante, que la bénédiction coule de là. Je peux t'avoir un « Amen » Et ce matin, j'aimerais mettre une emphase que si nous voulons porter du fruit, amen, on doit être à la place que Dieu nous demande. C'est pour ça, Actes 10, 38 nous dit, « Vous savez comment Dieu a loin du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Et le mot « wind » ici, écoutez bien, quand quelqu'un, m'a vous donner un exemple concret, Joseph Améni est wind au son. Je peux-tu avoir un « amen » Alexandre aussi, je peux dire qu'il est wind au son. Quand il fait le son, il fait un bon son. Mais Joseph, il a encore un talent. Écoute, c'est pas pour te descendre, mais il est encore un peu meilleur qu'Alexandre. Ça ne descend pas Alexandre. Quand tu es loin pour faire quelque chose, tu produis du bon fruit dans ce que Dieu t'a loin dedans. Le mot « moindre » ici veut dire, écoutez bien, c'est consacrer quelqu'un qui a reçu l'appel en donnant la puissance pour l'administrer. Et il est équipé avec les dons du Saint-Esprit. Et on le voit même dans l'Ancien Testament, Batsaléel, c'est un homme que Dieu avait loin. Amen. Même Richie, ce qu'il nous a fait en haut, vous allez voir pour les choses de son, on voit qu'il y a une onction sur sa vie. Si moi j'aurais eu ça à faire... Je suis honnête avec vous, ça n'aurait pas été si beau. Louis, je ne t'ai pas demandé de parler. Parce que Dieu nous a oint, chacun de nous, dans quelque chose que lui nous a appelé. Dieu nous a appelé ici, chacun de nous, à entrer dans ce que lui nous a appelé.
Je peux t'envoyer un amen? Tournez avec moi dans Exode chapitre 31, 2 à 5. Sache que j'ai donné, choisi Batsaléel, fils d'Uri, fils de Hur de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'art, l'argent et l'aérien, de graver les pierres, à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Dieu avait oint Batsaléel pour bâtir la maison de Dieu. Et Dieu vous a oint à quelque part. Moi, je me souviens, je pensais un jour, j'étais oint pour faire de l'électricité. Je vous l'ai déjà rencontré. J'ai mis le feu en faisant de l'électricité. Fait que je vois que Dieu ne m'a pas doué dans ce côté-là. Et on dirait, chaque fois que je prends un marteau, je me frappe les doigts. Puis ce n'est pas parce que je n'ai pas essayé. J'ai essayé souvent, puis je me suis frappé les doigts souvent. C'est parce que je pense que je ne les enlève pas en même temps. Je mets le clou là, puis il faudrait que je fasse ça tout de suite pour que le clou puisse rentrer. Mais on a chacun onction. Je regarde Sylvain puis José Pelladeau. Ils t'ont monté un camping, vrai ou faux? Amen, amen, qu'on peut taper des mains. Pourquoi? Parce que Dieu les a oints pour ça. Abel, Dieu t'a oint pour jouer du piano. T'es content, hein? Tu me donnes 10 piastres après, hein? C'est une farce s'il y a des nouveaux ici. Dieu a oint. Je regarde Docteur Célestin. Dieu l'a oint pour monter des hôpitaux. Amen, amen. Il faut se parler en passant. Dieu donne une onction à chacun de vous. Quand l'onction est là, c'est facile d'opérer. Mais quand l'onction n'est pas là, c'est dur d'opérer. Et c'est pour ça que c'est important. On a vu un jour, écoutez bien, c'est important. Je crois Saül, tout le monde connaît Saül dans l'Ancien Testament. Je crois que Saül n'était pas le premier choix de Dieu. Parce qu'il y avait le prophète Samuel dans ce temps-là. Puis le peuple d'Israël trouvait qu'il était rendu trop vieux. Ses deux fils, c'étaient des voleurs. Qui volait. Fait que le peuple d'Israël a décidé, « Hey, on veut un roi! » Puis c'est là, c'est pas bon. C'est important de comprendre qu'il faut aller là, en dessous de celui que Dieu a choisi. Qui Dieu a oint, il y a une facilité de faire les choses. Vous êtes d'accord avec moi? Ici, on voit dans Exode, on voit dans 1 Samuel 8 au verset 7, « L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette. » Parce qu'il avait rejeté Samuel. Il était vieux, puis à place de continuer sous l'onction de Samuel, l'onction vient de la tête de ceux que Dieu a choisis. Amen. Il y a un homme qui vient travailler ici avec ses mains, mais il est tellement loin, je ne veux pas dire son nom, mais il est tellement loin dans ce qu'il fait que tu vois qu'il y a une onction sur sa vie. Amen. Je disais au premier service, Jonathan, vous allez voir, Dieu va l'élever comme un évangéliste. Pas avec Jonathan, il y a Jimmy. Où est-ce qu'il est Jimmy? Jimmy. Ça, c'est... Jimmy. Je crois, puis Jamie, tu es loin aussi. Amen. Mais je tiens à vous dire, ces gens-là, quand ils ouvrent la bouche, avez-vous remarqué? Ils ont le tour de parler. Mais vous allez voir, Dieu va les utiliser de plus en plus. Je disais à ma femme, on juge l'arbre à ses fruits. Commence à le mettre de temps en temps le mardi soir quand on le forme le jeune. C'est comme Yannick. Yannick, qui est notre jeune qu'on est après formé pour Québec. Yannick, on dirait qu'il était dans sa bulle avant.
Puis Yannick, quand il a ouvert la bouche, la première fois que je l'ai entendu à Québec, parce qu'il ne parle jamais, il était loin de Dieu. J'ai dit, ma femme, j'étais surpris de l'entendre. J'ai dit, mon Dieu, il n'a pas l'air de ça du tout. Puis quand il parle, je ne pensais même pas qu'il était capable de parler. Je suis honnête, au début, il était tellement dans sa bulle. Oui, es-tu ici, Yannick? Il était tellement timide qu'il avait de la difficulté à parler. Puis là, qu'est-ce que vous voyez en avant, même qu'il ait témoigné comme ça, c'est un miracle. Écoutez bien, c'est un miracle. Mais qui Dieu appelle, il donne la grâce. C'est pour ça que le peuple d'Israël avait vraiment... Samuel était blessé dans son cœur parce qu'il se sentait rejeté à cause de son âge. Mais je veux vous dire un secret ici. Amen. C'est comme si les fils à José puis à Sylvain diraient, « Le père, tu ne sais pas comment faire. Nous autres, on va te montrer comment monter un camping. » Pour moi, l'onction vient de papa et de maman. Est-ce que vous me suivez? Puis si le fils n'honore pas le père puis la mère, ils vont ruiner le camping dans peu d'années. Je vous dis, frères et sœurs, vous devez comprendre ça. Puis le peuple d'Israël ne réalisait pas que la bénédiction venait de Samuel le prophète. Amen, amen. Il ne réalisait pas qu'elle venait de là. 1 Samuel 8:18. Et alors vous crierez contre votre roi que vous serez choisis, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Vous lirez chez vous dans 1 Samuel 8, ça parle de tout ce que le peuple aurait voulait souffrir. Mais on veut un roi, on veut un roi. Ils l'ont eu, le roi. Au verset 20, « Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. On veut être semblables aux autres. Notre roi nous jugera. Il marchera à notre tête et conduira nos guerres. » Et on connaît l'histoire. Saül était le pire roi qu'ils n'ont pas eu. Pourquoi? Parce que le peuple voulait ça. Et non Dieu. Parce que Dieu savait choisir un homme de Dieu qui s'appelait Samuel. Et si, je crois, Israël aurait écouté Dieu et pas être rebelle à Dieu, amen, Dieu aurait dit à Samuel, maintenant, va oindre une telle personne. Mais comme qu'ils ont rejeté l'homme que Dieu avait placé là, ça me fait penser en 1982. Quand j'étais pasteur, l'Église avait grandi de 400-500 en 2 ans. Ça grandissait tellement qu'on ne pouvait plus fournir. Puis ceux qui étaient là en 82 savent ce que je veux dire ici. Et je me souviendrai toujours, les gens ont commencé à me critiquer. On aimerait ça avoir un pasteur comme tous les autres. C'est vrai, je ne suis pas comme les autres. Mais c'est ça qui fait exister. Puis les gens commençaient à me critiquer vraiment. On en fait trop, notre Église. On en fait trop, notre Église. Et les gens commençaient. Et je crois que j'ai fait une erreur dans ces années-là quand j'ai amené un pasteur avec nous. Mais je crois aussi que le peuple de Dieu qui était là a commencé à critiquer. Amen. Celui que Dieu avait oint pour la région. Et je crois aussi que Dieu m'a enlevé pendant 15 ans de temps pour que le peuple goûte à leur propre. Parce que celui que Dieu oint va amener la bénédiction. Amen. Écoutez-moi, je ne vous dis pas ça juste pour notre Église. Un jour, si vous déménagez dans une ville ailleurs, vous devez comprendre ce principe-là. Amen. Parce que vous devez aller sous un homme de Dieu, que lui est soumis à d'autres hommes de Dieu que vous connaissez. Avez-vous remarqué, j'ai toujours dit à qui j'étais soumis. Pasteur Creflo Dollar a eu une grande influence sur notre Église. Pasteur Mike Cervello, c'est une de mes apôtres. Et pasteur Paul Goulet ont toujours eu une grande influence sur ma vie. Et Dieu leur a donné selon le désir de leur cœur. Dans verset 22, « Et l'Éternel dit à Samuel, « Écoute leur voix et établis un roi sur eux. » Et on connaît l'histoire, ça a mal tourné parce que Saül n'a pas obéi Dieu. Et 1 Samuel 10, Samuel prit une fiole d'huile
qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? » Puis on sait que Saül a désobéi à Dieu au complet. 1 Samuel 16, 14, « L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. » Mais ce mauvais esprit-là était permis par l'Éternel. C'est une mauvaise traduction aussi. Amen. Qui était permis par l'Éternel. Parce que quand tu désobéis à Dieu, il y a quelque chose qui s'accomplit. Si tu n'as pas l'onction de Dieu pour le faire, tu ne peux pas l'accomplir. J'entendais... Clotilde me dit, « Pasteur, elle est dans l'intercession, elle prie de 9h le matin jusqu'à 3h l'après-midi, du lundi au mercredi. » Savez-vous qu'est-ce qu'elle m'a dit? J'ai entendu, c'est ton pasteur n'est pas sourd. Elle dit, « Je commence à vivre. » Pourquoi? Parce que quand Dieu t'a oint pour faire quelque chose, amen, tu respires. Tu respires. Quand pasteur Denis enseigne, pourquoi? Parce qu'il est oint pour faire ça, vrai ou faux? Amen. Puis quand ma femme enseigne, elle est oint pour faire ça. Puis quand Jamie joue de la guitare, il est oint. L'onction, c'est ce que ça prend. Vous allez voir le psychologue en action. Le sexe de A à Z, ça va être plein d'hommes. Les femmes, vous pouvez écouter par Internet. Non, ça ne sera pas sur Internet, c'est juste pour nous, les hommes. Quand Dieu a oint quelqu'un, l'onction, c'est ce qu'il y a de plus important sur notre vie, frères et sœurs. Pasteur Mathieu disait, « Dad, il dit, c'est drôle. » Puis je sais que l'onction, Dieu m'a oint pour faire ce que je fais. Il m'a dit, « Quand je pars, quand je m'en pars pour des voyages, il dit, je sens quelque chose venir sur moi. » Et je le sais, frère, que Dieu me donne la grâce pour faire ce que je fais. Amen, amen, amen. C'est pour ça que ça fait 36 ans que je fais ça. Additionne? Non, écoute, 37. Tu me fais vieillir, toi, là, rien. Tu es rendu un évangéliste? Quand c'est un homme choisi de Dieu, c'est pour ça, si un jour vous déménagez, que Dieu vous amène ailleurs, allez voir, écoutez bien, je vais vous dire, qui est l'apôtre que Dieu a choisi pour cette ville? Quel est l'homme de Dieu que Dieu a mis en place pour cette ville? Et allez voir si le pasteur, vous allez aller en tour, s'il est sous lui. S'il n'est pas sous lui, n'y allez pas. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de faux ouvriers. Je crois que Dieu m'a donné l'onction pour la région. Pour les francophones, en tout cas. Puis quelques anglais. Où est-ce qu'il y a, Heather? Heather, oh, hello, Heather. L'onction, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus important. Dieu a oint notre frère comme mécanicien de grosses machines lourdes. Je vous le dis, si tu n'es pas oint, moi je le sais que si je démange juste une petite affaire de mécano, puis 10 morceaux dedans, oh, je vais dire, c'est quel qu'elle est là. C'est quel qu'elle est là. Puis je vais le remonter, puis ça va être tout croche. Pourquoi? Parce que Dieu ne m'a pas donné l'onction pour ça. Amen. On l'a vu quand je suis devenu électricien un jour. J'ai mis le feu, puis on m'a congédié. J'étais le chef, imaginez-vous, l'inspecteur. Je rentrais dans les maisons, puis je ne connaissais rien. C'est comme il y en a des fois qui vont dans le ministère et qui ne connaissent rien. Puis je me souviens, je faisais semblant que je connaissais ça. La femme, puis j'étais toujours au téléphone avec mon beau-frère. Il y a 4-5 fils, là. Comment...
Il y a un rouge, il y a un jaune, il y a un blanc. Tout mélangé. Imagine-toi, si l'électricien n'a pas fait un bon job, imagine-toi, moi, l'inspecteur. Quand tu mets le chapeau qui ne te fait pas, t'es malheureux. Mais quand t'as le chapeau qui te fait, t'es heureux. C'est pour ça que Moïse, que Dieu avait choisi, il était loin pour faire cela. C'est pour ça, écoutez bien, comment Dieu fonctionne. Dieu a pris l'onction qui était sur la vie de Moïse puis il l'a donné à d'autres. Je crois de tout mon cœur, ceux qui m'honorent, amen, Dieu a placé une onction sur ma vie, amen, ça tombe sur eux. Je crois que tout à l'heure, vous allez voir Pasteur Denis, Dieu va l'élever de plus en plus. Dieu va élever de plus en plus ma femme. Ce n'est pas parce que c'est mon neveu que Dieu va l'élever. Ah, les gens vont dire, c'est une affaire de famille, on le savait. Mais je m'en fous si les gens disent ça, mais si Dieu l'a ouin, il l'a ouin. C'est ouin, 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 ouin. C'est un petit ouin. C'est un petit ouin, ouin. Dites avec moi, c'est un petit ouin. C'est un petit ouin, ouin. C'est pour ça, dans Nombre 11, 16 à 17, l'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui. Amène-le à la tente d'assignation et qu'il s'y présente avec toi. » Verset 17, « Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. » Dieu aurait pu dire, « Je n'ai pas besoin de toi, Moïse, je suis capable de répandre mon esprit. » Vrai ou faux? Mais ce n'est pas la façon que Dieu fonctionne. Il dit, « Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je la mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. » Verset 25, « L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. » Oh, ils ont prophétisé. Quand Pasteur Charlie Sweet ou un prophète vient, je me colle à côté d'eux autres, je commence à prophétiser. Mais je sais que ce n'est pas ça mon appel principal. Mais j'attrape vite. J'attrape vite ce qu'il y a dans l'esprit. Amen, amen. Demandez à ma femme. J'attrape tout de suite ce qu'il y a. Puis des fois, je pars à prophétiser. Puis des fois, je peux me penser pour un prophète. Mais je ne suis pas un prophète. Mais qu'est-ce qui me touche ici? Dieu a pris de qu'est-ce qu'il y avait sur Moïse. Ceux qui travaillent ici, Dieu, c'est comme ça. Il a placé numéro un dans l'Église des apôtres. Et ce n'est pas un Dieu de confusion. Ceux qui veulent l'onction, l'onction est sur ma vie. Si mon fils ne m'honore pas, l'onction ne tombera pas sur sa vie. Est-ce que vous saisissez ce principe-là? Amen, amen. Si David, tu joues de mieux en mieux de la guitare en passant. Cool, man. I like your spirit. C'est pour ça. Vous devez prendre, écoutez bien, je vieillis, c'est vrai, mais prenez soin de moi, de ma femme. Je vous dis que votre bénédiction dépend de ma bénédiction. De la façon que vous allez nous traiter, ma femme et moi, c'est de la façon que Dieu va vous traiter. Heureux ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit de Dieu dit. Je vais aller encore un petit peu plus profondément. Amen. C'est Dieu qui choisit. Est-ce que c'est toi, Turpin, qui s'est choisi? Non, Dieu m'a choisi. Amen. Même avant que je vienne dans ce monde. Même dans mon témoignage, ceux qui l'ont entendu, une lumière me suivait du moment que je me souvienne. Du plus jeune âge, j'étais une lumière qui me suivait partout. Et quand j'ai accepté cette lumière-là, j'ai été changé au complet.
Et je sais que je suis appelé de Dieu. Et les hommes qui ont reconnu que j'étais appelé de Dieu. Amen. Les gens disent, oui, mais tu as choisi ton fils. Je n'ai pas choisi mon fils. Si mon fils n'était pas loin, ce n'est pas lui qui me succéderait. Je peux t'avoir un amen? Et souvent, les gens se mélangent. Parce que, vous savez, quand tu te tiens avec un homme qui est loin, tout le monde, mon fils, il dit, papa, fais attention parce que tout le monde sont capables de monter une église quand ils sont à côté de toi. Parce que l'onction tombe sur les gens. Puis il dit, fais attention parce que tout le monde pense qu'ils sont capables de monter une église, c'est facile. Savez-vous pourquoi c'est facile? Parce que l'onction que Dieu a mise sur ma vie, c'est pour monter des églises. Ça vous aide-tu à comprendre? Écoutez bien, c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui a choisi Jonathan. C'est Dieu qui a choisi Alexandre. C'est Dieu qui a choisi Ilunga. C'est Dieu qui a choisi Sylvie, même qui a fait de la bonne popote. Je vais lui montrer à faire des hot dogs, elle ne le sait pas encore, mais je vais lui montrer ma recette et elle pourra m'en venir m'en faire chez nous. C'est Louise, pas un mot. Elle m'a dit, c'est toi qui devrais se coller à côté d'elle pour faire à manger. Mais je pense que c'est plus toi, chérie. Je pense que c'est toi qui devrais se coller. Moi, je devrais attendre en regardant le golf à la télé. Amen. Puis dire, chérie, est-ce que c'est prêt, mon amour? Mais là, le tour, hein, c'est toujours moi qui prépare le café. Vous saviez ça le matin. Mais chaque fois, elle arrive. Écoutez les femmes. Je vais vous donner un truc. Elle dit, merci d'avoir préparé le café. Oui, je le sais qu'est-ce qu'elle veut dire. Continue de préparer le café. C'est Dieu qui choisit, qui m'a moins pour faire le meilleur café. Je suis excité. C'est Dieu qui nous a choisis. Ryan, c'est un vendeur de maison. Il est bon. Ceux qui veulent acheter une maison ou en vendre une, hey, come on, tu me donnes 10-15% ici. Non, non, c'est une farce, ceux qui sont nouveaux. Mais il est loin pour faire ça. Il est loin pour faire ça. Marchez là où Dieu vous a loin. Stephen, il est loin quand il fait la louange. Vrai au fond? Abel, je t'ai nommé tout à l'heure, toi. C'est Dieu qui choisit. Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. 1 Corinthiens 1, 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. 1 Corinthiens 12, 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. C'est Dieu qui nous a placés. Amen, amen, amen. C'est pour ça, écoutez bien, Dieu dans l'église locale, n'oubliez jamais ça, il a établi premièrement qui? Des prophètes, des apôtres. 1 Corinthiens 12, 28. Dieu a établi dans l'église des apôtres. Puis écoutez bien, aussi longtemps, parce que je travaille plus dans le ministère apostolique, plus ça va, que vous allez m'honorer comme homme de Dieu, Dieu va continuer à vous bénir. De la façon que vous m'honorez. Amen. Parce que je veux juste simplement que vous compreniez ces principes-là. Parce que si on comprend ces principes-là, l'onction coule de la tête. Amen. Dieu, écoutez bien, Dieu a oint, c'est l'onction qui était sur Jésus, du Saint-Esprit et de force. Même Jésus, qui était Dieu, avait besoin de Dieu, le Saint-Esprit.
Amen, amen. Quand le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit est venu sur Pierre, Pierre est devenu un autre homme. Des fois, je remarque, quand le Saint-Esprit vient sur moi, amen, amen, des fois, je deviens tellement rempli que je suis comme un autre homme. Amen. J'ai besoin du Saint-Esprit, mais toi aussi, tu as besoin du Saint-Esprit pour faire des tartes, peut-être. Pour faire les miracles, on a besoin de cette puissance. C'est Dieu qui a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth. C'est pour ça que la Bible nous dit, mais vous recevrez une puissance. Amen. C'est de la dynamite survenant sur vous. Et Jésus marchait dans les rues. C'est pour ça qu'on a des guérisons au milieu de nous. Amen. On fait juste commencer à en voir des miracles et des guérisons. Mais Dieu a oint du Saint-Esprit. Et je sais que l'Esprit que Dieu a mis sur ma vie, amen, se transfère. Se transfère. C'est pour ça que ça ne me dérange pas des fois quand les gens ne m'aiment pas, puis ils ne m'honorent pas, mais je sais qu'ils viennent de couper leur bénédiction. Amen. Je crois que les anciens d'Israël, s'ils avaient continué à honorer Moïse, puis pas le critiquer, que l'onction pour prophétiser et l'onction auraient continué sur leur vie. Ça vous aide-tu, ça? Est-ce que c'est compliqué un peu? Non, c'est simple. Bon, mais suivez-moi. C'est comme l'Esprit de Dieu me permet à mettre ma vie sur l'autel, comme Pierre. La mettre au complet sur l'autel. Plus je suis possédé de l'Esprit de Dieu, plus que les malades sont guéris, plus que tout ce qui touche mon corps est guéri, est béni. Plus je suis rempli de Dieu, dis à ton voisin, sois rempli, puis réveille-toi. L'onction est ce que ça... Écoute, un autre sœur qui est rempli, vrai ou faux, écoutez bien, on juge l'arbre à ses fruits, c'est pas compliqué. Annie, quand elle chante. Annie, t'es loin. Pourquoi qu'on dit qu'on aime ma sœur Annie quand elle vient... Avez-vous remarqué ça? Quand Annie chante, elle est loin. Puis quand son mari joue du drum, il est loin. Là, j'ai pas nommé tous les musiciens. Denis aussi, t'es loin. Hein? Écoutez bien, il ne faut pas être jaloux. Plus qu'on voit Andrea, t'es loin quand tu chantes. Marie, elle a une onction pour couper les cheveux. Est-ce que mes cheveux sont beaux? Ça, c'est le nom qu'elle est loin pour ça. Elle a l'onction de Dieu pour ça. Dieu a placé une onction sur nos vies, chacun de nous. Et c'est là qu'il faut découvrir, Seigneur, qu'est-ce que tu m'appelles? Puis la façon dont vous allez le savoir, c'est quand vous allez vous engager à quelque part. Commencez à vous engager à l'école du dimanche. On a besoin de les placer. Commencez à vous engager là. Puis Dieu va voir votre fidélité, puis c'est là qu'il va vous graduer. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Le mot Nazareth veut dire ici celui qui garde et protège. Ça veut dire Jésus le chouchou ou Jean le chouchou. Dieu a oint Jean de Nazareth. Ça veut dire celui qui me garde et nous protège. Quand, écoutez bien, j'ai vu des gens qui ont essayé même de me tuer, demander à mon épouse, j'invente pas des histoires. Amen. Un jour, un gars de la mafia
avait décidé de me tuer. Il y avait le même montant à peu près en 83 à l'église de Jean. Puis il avait décidé de me tuer parce qu'il disait « je regardais sa blonde ». Mais écoute, je ne suis pas stupide à ce point-là. Pourquoi est-ce qu'on a commencé à flirter les femmes en prêchant? Marie, je ne te flirte pas, là. Dis-le à Alexandre. Mais lui m'avait dit qu'il était habitué. Il avait tué 6 personnes. C'est un ex de la mafia. Puis, il a dit à sa blonde, il me regarde. Il te regarde. Il a un œil sur toi. Écoute, je regarde tout le monde quand je prêche. Puis, il avait décidé de me tuer. J'avais dû même mettre des policiers à la porte et leur dire de faire attention. Et je me souviens même la nuit, j'entendais des pas dans le passage chez nous. Et je suis honnête avec vous. Je n'étais pas si brave que ça. Je dis à ma femme, va donc voir. Non, c'est pas vrai, c'est moi qui allais. Au début de ma conversion, c'est elle que j'envoyais. Mais pas après. Mais j'attendais des vrais pas dans le passage. Après ça, j'ai dit, Dieu, c'est pas normal que j'aie peur. Même s'il a dit qu'il me tuerait. Puis le moment, sa blonde nous tenait tout au courant. Au moment où il a décidé de me tuer, puis je savais qu'il était capable de le faire, avec des fusils et tout. Ça, je l'aurais. Puis, Dieu m'a dit un soir, après 3-4 nuits comme ça, j'avais la crainte. Puis le jour où il a décidé de me tuer, c'est sa blonde qui nous a dit ça. Il était dans un hôtel, puis il a commencé à suer. Il suait toute la nuit. Il était paralysé. Il était paralysé au complet. Il n'a pas pu bouger. Ça, c'est le Dieu que je sers. Quand Dieu t'a loin, il te garde. Puis Dieu m'a parlé dans mon lit ce moment-là. Il dit, Jean, je veux que tu arrêtes de t'inquiéter. Personne ne va pouvoir te tuer jusqu'à temps. Moi, je lui dis ça. Puis je n'ai pas fini avec toi. Merci, Seigneur. Ça veut dire qu'il y a une protection sur nous, ses enfants. Je me souviens, un jour, j'ai refusé de marier un couple. Ma femme est témoin. C'est parce que tu as trop parlé tout à l'heure, Louise. Regarde pas ta montre. On avait décidé de... Un couple, j'avais refusé de marier. Et qu'est-ce que je ne savais pas? Que c'est le monsieur avait une ceinture noire en karaté. Je refuse de vous marier. Puis là, il a pris sa Bible, il l'a déchirée en deux. Et après ça, il est venu pour me frapper avec ses pieds, mais il y avait une ceinture noire en karaté. Je ne sais pas comment il a fait ça. Mais au même moment, c'est la vérité, ça. C'est la vérité que je vous conte là. Il y a comme un mur de vitre qui est venu devant moi. Puis il frappait dans le mur de vitre. J'ai dit, merci Seigneur. Je ne savais pas qu'il y avait une ceinture noire en karaté, sinon j'aurais été plus doux. Mais il frappait un mur de vitre. C'est là, écoutez bien, quand Dieu t'a oint, Dieu te protège. Est-ce que vous me suivez? C'est ça que je veux dire. Ésaïe 54, 17, « Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Psaume 119, 105, « Tu fais du bien à ton serviteur. » Ça veut dire, quand tu marches sous ta onction, amen, tu es béni et tu es protégé. C'est pour ça qu'on essaie de voir quel est l'appel des gens sur leur vie. On n'essaie pas de faire des... Si quelqu'un est loin pour faire quelque chose, on essaie de l'élever là où il est loin. Est-ce que vous me suivez? Il n'y a pas de jalousie. Puis quand tu es loin, tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas partager aux autres qui allaient de lieu en lieu. Fanny m'a téléphoné cette semaine. Elle me dit, pasteur... Non, elle ne m'a pas téléphoné, elle m'a texté. Les textes, là, je suis obligé de répondre à ça. Un coup de téléphone, tu fais juste parler, puis tu dis qu'est-ce que tu as à dire tout de suite.
Mais des textes, il y en a 4-5 qui rentrent. Des fois, ton doigt est trop gros pour frapper sur le clavier. En tout cas, je fais juste vous ouvrir mon cœur. Et Fanny, elle m'a dit, « Pasteur, on était faire les ongles des petites grand-mères à Rockland. » Puis il y en a 4 qui ont donné leur cœur à Jésus. Come on! Yes! Yes! Tu vas, tu partages quand tu es rempli. Jésus, Dieu a moins du Saint-Esprit, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Tu veux faire du bien. Amen, amen, amen. Guérissant, le mot guérir ici veut dire amener la guérison, rendre complet, rendre libre du péché et des erreurs, amener le salut. Hallelujah. Le mot guérissant, tous ceux qui étaient sous l'Empire, le mot guérissant, c'est ce mot-ci ici, heal. Dites-le avec moi. Heal. C'est pas heal trembler, c'est juste heal. Et l'autre partie du mot, ça se prononce ma femme, aide-moi. Homai. Homai. Ensemble, 1, 2, 3. Homai. La moitié, ici. Chut. Toi, tu es sur ce côté-là. Toi, tu es en deux. Tu es dans le milieu. Tu fais les deux bords. À trois, guérissant veut dire 1, 2, 3. Hiya! C'est pas pire. Encore. Félicitations, vous parlez le grec. Hiya, oh my. Ça veut dire guérissant. 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 Heureux celui qui a des yeux pour voir ce que le Saint-Esprit dit. Mais il est là. Alléluia. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'Empire. Sous l'Empire. L'Empire du diable. L'Empire du diable, c'est l'oppression, la destruction, la maladie, le désordre, la pauvreté. Alléluia. Vous êtes ici ce matin, vous n'êtes pas obligé de rester pauvre. Vous êtes ici ce matin, vous n'êtes pas obligé de rester malade. Vous n'êtes pas obligé de rester sous la pression du diable. Dieu vous a délivré. Amen. Guérissant tous ceux, le Hiaoumaï, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu était avec lui. Vous savez, parce que je sais que Dieu est avec moi, je vous dis, posez-vous la question, est-ce que Dieu est avec vous dans ce que vous faites? Est-ce que la présence de Dieu est là avec vous? Moïse disait dans Exode 33, 14, l'Éternel répondit, « Il marchera moi-même, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » La présence de Dieu est le secret que Dieu est avec vous. Amen. Je t'en ai avec vous, je sens de plus en plus la présence de Dieu sur ma vie. Je t'ai invité aux États-Unis d'aller prêcher une conférence de guérison, de miracle. Et je suis excité d'y aller. Je remercie Dieu de tout mon cœur qui m'ait appelé. Mais je sais qu'est-ce que les gens ont fait, c'est la présence de Jésus sur ma vie. Est-ce que la présence de Dieu est là quand tu fais tes tartes, quand tu élèves tes enfants? Seigneur, moi, il se dit, fais-moi point partir si ta présence n'est pas avec moi. La présence de Dieu peut être avec vous partout, même sur votre travail. Seigneur, je veux te remercier ce matin pour ta présence au milieu de nous. Dieu a loin du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth. Jean de Nazareth, Sylvie de Nazareth,
qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Seigneur, je te remercie d'avoir été avec moi depuis qu'on a commencé l'Église, Seigneur. Et je sais que tu es avec moi encore ce matin, Seigneur, avec les anges qui sont ici, Seigneur, mon Dieu, pour guérir les malades, toucher les vies. Je veux te donner la gloire et l'honneur, Seigneur. Je suis reconnaissant que sans toi, je ne peux rien faire. Seigneur, je te demande de toucher tous les cœurs qui sont ici ce matin, de toucher les vies ce matin. Est-ce qu'il y en a qui sont au milieu de nous ce matin? Vous n'avez jamais donné toute votre vie à Jésus et vous aimeriez le faire ce matin. Faites juste lever votre main là où vous êtes et dites, j'en prie pour moi ce matin. Je veux lui donner toute ma vie. Je veux que Jésus soit le Seigneur de ma vie. Il y a des gens ici que vous faites plein d'activités, puis Dieu n'est même pas au milieu de ces activités-là. Et vous perdez votre temps. Et vous perdez votre argent. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais tout? Soyez honnêtes. Laissez faire vos voisins, vos voisines. Un jour, vous allez vous présenter devant Dieu. Écoutez l'homme de Dieu ici en avant. Vous allez vous présenter devant mon Père. Et vous allez avoir à rendre compte de tout ce que vous avez fait et dit. Est-ce que Jésus est le Seigneur de votre vie? Si Jésus n'est pas le Seigneur de votre vie, je veux prier pour vous ce matin. Pas vous condamner. Jésus est venu pour sauver le monde. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais fait ce pas qui aimeraient le faire ce matin? Faites juste lever votre main là où vous êtes. Gênez-vous pas. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais donné toute leur vie à Jésus? Vous aimeriez le faire ce matin? Même ceux qui nous viennent par billet d'Internet, la France, la Suisse, l'Afrique. On a des gens en Chine qui nous regardent. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin dans cette salle qui dirait, « Jean, prie pour moi. Je n'ai jamais fait ce pas de foi. Puis je veux le faire ce matin. » Tout le monde l'a fait. Si vous mourrez aujourd'hui, vous savez où vous allez pour l'éternité. Amen. Écoutez-moi, j'ai quelques paroles de connaissance que j'ai eues ce matin dans la prière. Quelqu'un qui a des problèmes dans ses intestins, vous allez guérir ce matin. Comme quelque chose dans votre gorge ici, c'est enflé, c'est... Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a, mais amen, amen, ça va désenfler et vous allez guérir au complet. Quelqu'un qui fait de l'angine de poitrine aussi. Alléluia. Alléluia. S'il y a une de ces conditions-là que j'ai annoncées, c'est comme dans la louange ce matin, Jésus guérissait quelqu'un ici, juste dans le haut de sa cuisse. Juste ici. Amen. Dieu a commencé dans la louange ce matin, quand vous étiez après louer Dieu, juste à guérir cette personne-là. Amen. S'il y a une de ces conditions-là que j'ai annoncées, faites simplement vous avancer en avant. Angine de poitrine, les intestins, ou... Venez, venez, gênez-vous pas, gênez-vous pas. Venez recevoir votre miracle, votre guérison. Quelque chose à la gorge. Par le goût ou quelque chose. Hallelujah. Hallelujah, Jésus. Merci. Peu importe qui prie pour vous, hein, vous allez recevoir. Si vous êtes assis, venez, venez. Amen. Tu es quelqu'un qui souffre d'angine de poitrine. Venez, venez, venez recevoir. Hallelujah, hallelujah.
Kurama Shande, Kuriarama Sundoro Maroche. Lady Viriande, Pasteur Denis, tu veux prier?